Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans l'équipementier, hein, simplement. Répartir de puissance E3, on va essayer de changer ça. On va essayer de se mettre au moins en B3, ce serait pas mal. Je vais reprendre la souris pour le... Hop. Voilà. Est-ce qu'on a un B3? Oui, on a un B3 ici. Ou un A3. A3 qui coûte 150 000, ça coûte cher. On va prendre le B3 pour l'instant. Hop, voilà. On va aussi changer le réacteur FSD, donc E4, vers au moins un... Ah, C4, ça coûte cher. Ah, la vache. C'est con parce que le C4 était intéressant. Ah, c'est vraiment con. On va prendre le D4 malheureusement. Qui ne revient pas si cher que ça. Au niveau des générateurs électriques, on est bon. Des propulseurs, j'aimerais les améliorer aussi. On est à E4, on va essayer d'améliorer ça. Mais apparemment, je ne peux pas me les offrir. Avec 138 000 crédits, on peut pas s'offrir des réacteurs, c'est cool. Générateur. E4, je ne peux pas m'offrir de 4. Raffinerie, j'en ai pris une, apparemment. Ce serait pas la bonne. Alors, raffinerie, voilà. Ah bah pourtant c'est bien ce que j'ai pris. Hein. Bon bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Tout ça pour... quand je dis on verra bien, on peut aller voir là maintenant. Groupe d'armes, cargaison, voilà. On a un trémie. Je crois que c'est tout. Ce qui est peut-être pas suffisant du coup. Service de spatioport, équipementier. Alors je n'ai mis aucun armement, c'est fait exprès. Truc de découverte. Non. Où sont les raffineries? Limite d'atteinte pour ce type de... D'accord, on peut pas en mettre plus. Intéressant. Bah du coup, on va prendre pas un intercepteur, mais un récupérateur de carburant de classe B, tant pis. B1, d'accord, ici on a... On va partir là-dessus, hein, tant pis. Voilà. On part là-dessus. Hop. Et on est à court de pognon. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'on ne se fera pas défoncer l'anus, chers amis. Parce que le vaisseau me coûte à réparer 48 000. Ah non, on peut se le repayer. C'est bon. En cas de pépin, on ira chercher l'autre. Maintenant, alors l'objectif, chers amis, maintenant, ce sera d'aller dans les, bah, justement, dans les belt clusters. Mais pour ça, on va avoir besoin de la carte du système. Alors, excusez-moi, je me perds un petit peu dans les trucs. Carte du système, voilà. Donc, ici, par exemple, on va là-dessus. On peut voir que c'est un type d'anneau rocheux, donc pas intéressant. Ici, rocheux, donc pas intéressant. Donc de ce côté là on n'est pas bon. Par exemple. Donc du coup on prend la carte de la galaxie. Si on devait partir par exemple à Zongwe. Exploitation minière. Bon. Voilà. Apparemment il n'y a pas de truc. Mais écoutez, on va se balader un petit peu avec. On va faire ça donc au feeling. Quand on verra les choses, on ira voir. On va faire ça comme ça. Du coup, première destination. On part vers Adan. Tiens, c'est un bon nom. C'est court, c'est concis. On y va. J'ai qu'un tout petit réservoir de carburant. Enfin, j'ai un réservoir de carburant, ce qui est assez impressionnant. Parce que je ne vais pas très loin, je vais à 10 années-lumière. Ah si, quand même. Oh, bon, on verra bien.
Oula, 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 on se calme, monsieur l'agent. Voilà. Est-ce qu'il tourne? Bah voilà autre chose, chers amis. Ah merde, Krudik. Bah écoutez, un instant. Je mets le micro en mute. Voilà, re, chers amis. Donc, bon, bah, normalement, le problème est réglé. Hein. Ok. Je viens de voir que j'ai un truc là-haut, j'irai voir ça tout à l'heure. Hop. On enlève. Hop, voilà. Et on y va. Cette fois-ci, on y va. Ah bah non. Putain, il tourne toujours. Bon. Je réglerai ce problème-là après. Alors. Comme j'avais dit, j'avais avoir des problèmes avec mon manche. Bah voilà, j'en ai. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Balise de navigation, un truc. Bon, rien d'intéressant. Yarit. Yarit, c'est juste là, on y va. Société clientéliste. Je suis sûr qu'en se baladant au pif, on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Ah oh, zut, hop, petit coup de boost. J'ai pas de boost? Ah bah non, je suis con. Ça va plus dans ma tête. Alors. Alors. Où arrivons-nous? Telle est la question. Alors. Ah. Ici on a des choses. Ici on a des choses. Voyons voir. Carte du système. Si c'est du rocheux, on a vraiment pas de bol. Riche en métaux. Ah. Yarait Abelt. Voilà, chers amis, où est-ce qu'on va aller? Abelt Cluster 1. On y va. C'est parti. En plus, on est tout proche. J'ai pas assigné mes armements. Oh putain, c'est casse-couille que ça tourne. Je suis obligé de continuellement compenser, mais c'est rien en plus. C'est vraiment un tout petit coup de... Je rêve où l'interface est gigantesque. L'interface du récupérateur de carburant, elle est gigantesque, elle est en plein milieu de l'écran là. Oui, j'ai bien compris que je suis en train de faire le plein. D'ailleurs, ça m'étonne que je sois encore en train de le faire. Ok, ça se remplit de plus en plus en fait. Je suis très très loin, mais ça se remplit. En fait, non, j'ai juste un gros bug. Espérons que ça disparaisse quand je vais... Voilà, c'est parfait. Parfait. Donc, chers amis, nous y sommes. Allons-y. Donc, on s'approche d'un... d'un truc. Voilà. Je sais pas si on est suffisamment prêt. Non! Voilà! Donc on en a un bout. Fragment. Ok. Non, pas train d'atterrissage, l'autre. Il partait pas sans moi! Alors. Non acquise. Fragment peut-être attribué. Ah oui. Ok. Et l'autre.
Aïe. Ah oui, d'accord, je dois l'attribuer automatiquement. Ok. Donc panneau 2. Alors, on peut les voir dans le panneau 1. Bon, je pensais que le sous-système, voilà. Cible, voilà. Coque 71%. Bon, ça c'est normal, c'est le truc que je viens d'avoir. Donc on va dans la cargaison. Voilà. Ok. Soupape. Putain, puis ça me gonfle qu'il tourne tout seul. Si vous saviez. Ah, un instant. Voilà, re, chers amis. Donc on va y arriver. Putain, j'en chie. Module. Arrêtez de le faire le con quand même. Raffinerie. Voilà. Alors maintenant que ça marche, qu'est-ce que j'en fais? Tout ça. Indite. Galite, soupape. Alors bah. La galite. D'accord. Ok, c'est la trémie. D'accord. Après on en fait un. Oui, ok, je comprends. Je crois que je suis en train de comprendre, chers amis. Ouh, il est gros. Voilà. Voilà, on va profiter de ça. Pour aller récupérer tout ça. Putain, je suis mauvais. D'accord, faut que je les vise. Ensuite que je fasse ça, d'accord. Ah, oh, c'est tout petit. Donc là ensuite je la mets là. Ok. Et ça me fait mes raffinages automatiquement ensuite. D'accord, ok, je comprends. Par exemple si je veux prendre ça. Si je me mets à 9. Est-ce que je le prends à cette vitesse là? 13 ressources traitées, voilà. D'accord, j'ai envie de comprendre comment ça marche. C'est cool. En fait, c'est pas si mal et ça change complètement, c'est calme. Il se pourrait que j'en fasse ce soir. C'est d'un calme. Ressources traitées. Eh non, c'est vraiment bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'imagine que visuellement ça doit pas être top. Aïe, je suis bête. Ressources traitées, parfait. Allez. Fragment traité. Voilà. D'accord, c'est cool. C'est carrément cool. J'adore. Enfin c'est tellement différent en fait du reste que. Ah non, c'est vraiment pas mal. Non, franchement, j'adore. C'est vraiment différent, vraiment. Vraiment bien en fait. Hop, excusez-moi, je bougeais le micro. On va reprendre le gros monsieur qui est là. Est-ce que je peux mettre mes lumières, s'il vous plaît? Light. Oh, plus il est tout proche. Je crois qu'il a plus rien à donner, le pauvre. C'est la vache à lait, chers amis. Ok. Il y a bien un deuxième dans le coin.
Là-bas. Même un peu plus proche, là, je crois. C'est marrant, j'ai pas de... J'ai pas de quoi faire un boost. J'ai pas l'impression. Attendez, est-ce que mes touches fonctionnent seulement? Oui. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc alors, moi je suis curieux de voir la suite. Alors, voyons voir. L'épidolite est indite. Ah putain, elle est passée à côté. La haine. Alors, il y a des ressources qui n'ont pas été traitées. Donc on va aller voir. Ah mince, là. Ok. Alors allons-y. Ah mince, je suis trop bête. Oh, je suis sûr que j'ai tapé dans l'autre du coup. C'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Ça se fait bien, hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Après, dommage que la récupération soit aussi lente, mais je sais qu'avec des drones, ça marche très très bien aussi. Hop. Ressources non traitées. Ah. De l'argent. Ouh, ça c'est bon, ça je crois. Allons-y. Commençons par ça. Oh, ressources traitées quand même. Parfait. Ah mince. Je tape dans des choses, c'est chiant. En plus, il y a de l'argent dedans. Mince, 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 mince. Oh la vache, quel con. Je suis en train de regarder partout en fait. On va être bon là, non? Traitement, traité, voilà, parfait. Bon. Tout ça pour avoir à peu près une tonne de trucs. Donc je crois que voilà, cette vitesse là je peux les prendre. Voilà. Je vais taper dedans. Voilà. Donc on vise bien le truc.
C'est pas hyper méga passionnant, mais je peux vous dire que c'est cool à faire. Ressources non gérées. Ah, qu'est-ce que j'ai? De la indite en trop. Ah oui, bah du coup. Ah oui, d'accord, j'ai fait de la indite justement. Ok, c'est intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un petit peu d'argent là-dedans, c'est cool. C'est très très calme en fait. Traitement des ressources, voilà, fragment traité. Est-ce que t'as encore de la... quelque chose à nous donner, toi? Non, c'est ton dernier. Pourquoi pas? Aïe. Putain, mais qu'est-ce que je peux être con des fois? Alors, allons-y. Parfait. Il y a le gros là aussi là. Je suis curieux d'aller le voir. Donc peut-être qu'on investira dans des drones, chers amis. Hein. Je sais pas trop comment fonctionnent les drones. On verra bien. Et si c'est plus rentable, on fera comme ça. Hein. Trop loin. Celui-là, je l'aurais pas déjà miné ou un truc comme ça. Sûrement. Putain! Celui-là, ce serait pas celui que je viens de quitter. Non, ça doit être celui-là plutôt. On va aller voir celui-là. Hop! Alors, il est achat par contre. Hein. C'est pas si mal, je trouve, moi, chers amis. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très compliqué d'avoir ce qu'on veut. Mais c'est pas si mal. Enfin, c'est vrai que c'est pas, ça me semble pas hyper méga rentable, of the dead. Pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, je freine. Ah bah non, pas trop non plus. Voilà. Ok, on recule. On va aller voir là. De la Bertrandite. Soupape. Hop, soupape permet en fait de virer carrément des choses. Ah, il a beaucoup de Bertrandite celui-là. Raté. Tant pis, il m'intéresse pas. Voilà, ça c'est déjà plus intéressant. Ressources traitées, parfait. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fun au monde quand même. Hein. Faudrait vraiment que j'ai des drones en fait. Faudrait vraiment que je m'en renseigne pour ça. Raté. C'est chiant, oui. Je me renseignerai au niveau des drones avant de refaire un prochain épisode, je pense. Putain, je l'ai encore raté. Hein. Je vais même taper dedans. Allez. Ça y est, je l'ai eu. Putain.
Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour ce début de minage. Moi je vais me rentrer donc quelque part là. On ira voir donc ensuite dans le prochain épisode exactement si je peux trouver ensuite des différents drones tout simplement. Je me trompe de point, de bouton. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-bériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour un petit premier épisode de minage, ça peut ne pas être trop mal. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom.